Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va démarrer une saga qui a son charme sur 5 opus actuellement existants. Et d'ailleurs je crois savoir, mais on en reparlera bien plus tard, qu'il y a un 6ème opus dans les cartons. Les Chevaliers de Baphomet. Plus connu à l'international avec son nom original, l'épée cassée, The Broken Sword. Un couple qu'on va voir d'ailleurs se former dans ce premier opus, très attachant, d'enquêteur en herbe, enfin, madame est journaliste et monsieur est... Je sais pas que c'est quoi son métier officiel à monsieur. On va le redécouvrir ensemble, vous voyez, je vous avoue déjà que avoir oublié un premier fait dans le scénario. Des enquêtes bien ficelées, et certains auront déjà à repérer au coup d'œil que nous allons démarrer le premier opus dans sa version Director Cuts, c'est-à-dire une version améliorée bien des années plus tard, donc que je vais découvrir avec vous, sachant que moi j'avais déjà fait la première enquête, donc le premier opus, il y a longtemps, sur console je crois. Je l'avais sur PlayStation, là on est sur PC, hein. Je vous le dis en cache direct. On est sur PC, j'avais connu la première enquête il y a longtemps qui n'était pas évidente. Là, les graphismes sont plus beaux, les doublages tout aussi soignés. La musique, on se croirait presque dans un cabinet de kinésithérapeute 100% détente. Elle est même japonisante, j'ai envie de dire, cette musique. On se croirait dans un jardin zen. Bref, de la haute qualité, une pure merveille. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah de nouvelles énigmes en fait. Je vais me fracasser la tête sur des énigmes que je ne connais pas. De toute façon, celles qui étaient déjà dans le jeu original, je les ai évidemment oubliées. Sinon, ce serait pas drôle de relever le défi de refaire la saga. Et dès qu'on fera les enquêtes suivantes, 2, 3, 4, etc. Et bah là, pour le coup, je les découvrirai intégralement avec vous. Puisque j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer dans ma vie. Donc, dès que j'ai un peu de temps, voilà, en dehors de Minecraft, que vous savez que j'aime bien faire en fin de journée, sur mon temps libre, quand je suis pas trop crevé de ma journée de boulot, bah voilà, je me ferai une joie de petit à petit d'avancer dans l'histoire. On va vivre des aventures merveilleuses avec ce couple très attachant. Moi, d'un point de vue technique, au niveau format, je vais essayer de maintenir qu'un épisode dure 3/4 d'heure, 1 heure. Je vais peut-être essayer de tenir les 1 heure, on verra, ça va osciller en fonction des difficultés rencontrées, du rythme de la narration, voilà, etc., etc. Allez, on se lance, je vais arrêter de baratiner, de vous assommer avec mon blabla habituel. Je vous ai fait 3 minutes d'intro. Également, pour être franc, honnête avec vous, au niveau de la sauvegarde, vous voyez, j'ai un test où je suis déjà avancé à 6%. En fait, je suis déjà à la zone suivante. Ça me permet, moi, de me familiariser avec les contrôles de la nouvelle interface The Director Cuts, donc remis au goût du jour. Et ça m'évite d'avoir des moments de flottement trop longs sur les énigmes. Vous verrez tout à l'heure, je vais vite arriver sur une énigme. On terminera sûrement le premier épisode là-dessus. Une énigme où je me casse déjà les dents dessus. Et je pense pas que je vous filmerai ça. Je vous filmerai le moment où je fais face à l'énigme. Peut-être une petite minute à vous montrer comment marche l'énigme. Et tout de suite après l'épisode, je vous montrerai le moment où j'ai réussi à me dépatouiller et à passer à la suite. Allez, Zou, je vais vous mettre le générique de début. Je me tais. Thank you.
On a le droit quand même à un sacré générique. Alors, c'est vrai que c'est pas. Voilà, c'est... ça fait plaisir d'avoir faim, merci d'avoir joué. En fait, j'apprécie mettre en valeur en fait ceux qui ont bossé, qui ont œuvré pour ce chef-d'œuvre vidéoludique. En plus, ça date de 2010, alors je sais même plus si c'est la. Non, c'est la version remaster qui date de 2010 en plus, je crois. Le jeu original, lui, il est plus vieux, il date des années 90. À vérifier, j'ai peut-être des âneries. Je vous le redirai à l'occasion quand je refouinerai sur internet. Allez, on va se plonger dans cette première affaire qui s'appelle l'ombre des Templiers. Je vais lancer une nouvelle partie. Je sais même pas comment faire d'ailleurs, parce que reprendre partie. Ouais, non, c'est pas cool. Si je vais quitter, je vais quitter mon bazar et puis. On va pas. Parce que retour, là je reviens dans le jeu, vous voyez là où j'en suis. Donc c'est pas cool. Si je fais quitter. Voilà. J'ai donc sabordé mon enregistrement. Attendez, je réexécute, on va reprendre la main. Et puis on va faire une nouvelle partie. Ah, je pensais pas être obligé, contraint de relancer le jeu. J'ai pas l'air idiot. Voilà, nouvelle partie. Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. Paris, la ville de la mort. À partir de cette déclaration, Anne Hidalgo porte plainte. Non, je déconne. Ah, Charles Cécile, je vous en ai fait la biographie chez l'ami, mon bon copain Fun Fan, dans les épisodes commentés. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Connard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire. De dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant. Et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias. Un héros national. Et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à deux pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes. Mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie, Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas.
Moi, je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père ? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu ! Monsieur Garchon, est-ce que... Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas ? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommée la Reine de Glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête ? La réponse me semblait évidente. Voilà, c'est là qu'où en tant que joueur, on démarre voilà, à prendre la main dans le... dans l'œuvre qui est absolument magnifique. Même la subtilité de la police de caractère en dégradé, vous voyez, du jaune presque blanc en haut et finir sur couleur ocre en bas, c'est superbe. Bref, ça respecte d'ailleurs donc les teintes du décor. Enfin bref, c'est un pur chef-d'œuvre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Plein de choses là, je suis en émoi par tant de merveilles qui défilent sous nos yeux. Évidemment, Monsieur Carchon, avec ses petites habitudes, on a très envie de dévier et de l'appeler Monsieur Cochon. Je me demande si ça n'a pas été fait exprès. Bref, le pire, c'est que... Enfin, bon, ouais, je ne vais pas philosopher sur un chef-d'œuvre pareil, mais bon, je pense que parfois dans la réalité, malheureusement, ça se passe réellement comme ça. Ah là 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 là. Donc, voilà, déplacer le curseur de la souris sur l'écran pour découvrir des points d'intérêt représentés par un cercle bleu animé. Alors j'ai remarqué durant ma phase de test qu'on est pas mal assisté. Effectivement les cercles bleus animés d'ailleurs qui fait penser au cercle dans Windows XP quand vous êtes en phase d'attente par rapport à l'ordi qui bosse. Les informaticiens légués comprendront de quoi je parle. Entre autres NIRD d'ailleurs. Lorsque le pointeur passe sur un objet interactif, il se transforme en une icône animée. Ce qui indique l'action est effectuée. Alors... Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour effectuer cette action. Cliquez sur la mallette en forme de sac pour ouvrir. C'est l'accès à l'inventaire. Et on affiche les objets qu'on aura ramassés. Ah, excellent. J'ai testé il y a peu l'icône de journal pour accéder justement aux notes prises par l'héroïne. Et c'est vachement pratique. Alors ces notes-là, dès le deuxième épisode, je démarrerai par ça. Parce qu'en fait, ça fait un excellent résumé des actions précédentes. Je trouve ça vraiment parfait. Il n'y a rien à redire. Le point d'interrogation, c'est l'icône pour obtenir des astuces sur les commandes ou les énigmes. On a le droit parfois à des petits indices quand on sèche un peu trop. J'espère ne pas en faire usage, mais bon, si dans la longueur je traîne un peu trop, bon, joker, voilà, j'aurai droit à un indice. Et très honnêtement, à chaque fois, à chaque épisode, je vous avouerai à quel endroit j'ai séché, où j'ai merdé littéralement. Il y a peut-être des moments où il y aura des échecs avec une mort qui s'en suivra. La clé à molette, c'est pour sauvegarder, reprendre une partie, régler les paramètres du jeu, c'est la coulisse du jeu, voilà, on a démarré là-dessus, l'enregistrement là-dessus, on a vu le menu principal. Voilà, les icônes se retrouvent en bas de l'écran, là je clique sur retour, vous voyez, tout est parfait, agencé. Allez, on se lance dans l'enquête. Alors, je sais plus par quoi j'avais démarré hier. Allez, on va dans le vif du sujet. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé.
Je vais essayer d'enclencher toutes les répliques au possible, hein, pour voir toute la richesse de l'œuvre. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Carchon avait été tué. Oui, tu parles avec un tel constat. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliqué, je ne pouvais plus reculer. Alors dans ma phase de test où j'ai déambulé hier déjà pour prendre en main la nouvelle interface, que je sois vraiment à mon aise instrument, là j'avais déjà loupé ça, vous voyez, le coup de l'épingle à cheveux qui est sur le parquet. Et vous allez voir que c'est un objet indispensable à la suite de l'enquête au niveau résolution énigme. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Je lui avais fermé les yeux. Son corps n'était pas encore rigide. Alors là, ça a été la différence entre un clic droit et un clic gauche. C'est absolument génial. Il y a des observations différentes. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. Ouais, Pierre Cochon. Il fallait bien reconnaître que la reine de glace avait très bon goût pour choisir ses tissus. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. C'était l'œuvre du mime. À moins que le chat ne s'y soit mis aussi. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. Donc, clic droit pour des observations, clic gauche pour une action. Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourrée dans sa poche et l'avait emportée. Absolument remarquable. Les bruits, l'ambiance parisienne, dès qu'elle s'est mise sur le... Elle a franchi la fenêtre. Enfin bref, c'est... J'adore. Ah, parfois j'ai un petit peu mal à laisser glisser mon curseur là où il faut. La bibliothèque était remplie de premières éditions. La plupart des titres m'étaient inconnus. Encore un buste de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. Oui, on va aborder un aspect intéressant de la... La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. De la narration. Tout naturellement, on va faire tout ce qui se présente à nous dans l'ordre. Une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile. Une scène médiévale. Elle devait être d'origine. Cette tapisserie avait dû coûter une fortune. Un magnifique tissu recouvrait la table. Il était brodé d'un symbole inhabituel. On y reviendra après, pas tout de suite. Là, je respecte scrupuleusement l'ordre dans lequel j'ai réussi à déclencher les répliques de dialogue, histoire que je ne me retrouve pas dans cette situation d'échec. Voilà. Vous comprendrez pourquoi après. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. Même le téléphone était une antiquité. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a ce genre de téléphone. Imelda était en train d'appeler la police. Les pauvres. Je devais me dépêcher de poursuivre mon enquête avant leur arrivée.
Je sais pas si je pouvais la déranger déjà alors qu'elle est au bout du fil. Elle était en pleine conversation et ne faisait pas attention à moi. Ah, mince. Je crois que c'est qu'en chipant la peinture, j'ai provoqué la fin de l'appel. Si ma mémoire me trahit pas. Pile la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est... Que faites-vous donc, jeune femme ? J'admirais votre peinture bleue outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. L'effet règne dans les animations bande dessinée, c'est un pur régal. Un pur régal. Imelda avait l'air sous le choc, mais toujours aussi hostile. Excusez-moi, madame. Oui. Alors, je peux l'interroger carrément sur les objets que j'ai en ma possession, que je sache, et évidemment les personnes voilà, qu'on a croisées. Je vous le dis tout de suite en mille, on a le choix de différentes réponses par moment. Bon, généralement c'est le schéma binaire, c'est on est gentil ou on est vache. Et être tout le temps gentil, être tout le temps être vache, c'est pas la bonne solution. En général, il faut alterner pour avoir une moyenne convenable et des dialogues fort enrichissants, vous allez le voir. Bon là, je vais vous faire une combinaison que j'ai déjà testée hier, donc je sais ce qu'il faut répondre. Mais bon, ça, je pourrais éventuellement parfois me planter dans les combinaisons faites avant enregistrement pour essayer de ne pas être trop lent dans le déroulé de l'épisode. On pourra peut-être vivre des moments amusants. Je pourrais peut-être me faire piéger par le jeu, en fait. L'idée est là. Son mari faisait des promenades en bateau dans son dos. Avait-elle vraiment besoin de voir le biais ? Voudriez-vous voir ma barrette préférée ? Quelle question ridicule ! Bien sûr que non ! Ah, une autre fois peut-être. Ça, je l'avais pas fait, mais j'ai envie de tester avec vous. La dernière chose dont elle aurait voulu parler, c'est de peinture. Ah là 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 là, cet étrange mime. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari ? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Comment votre mari a-t-il connu mon père ? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas ? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Je suis désolée pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir ? De quoi voulait-il que nous parlions ? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien ? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance, vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral ? Le doublage est parfait. Original, enfin, dans la version originale, c'est un jeu anglais, hein, c'est fait par les Anglais. Donc, doublage remarquable. Les premiers persos, j'ai beaucoup aimé... Ah là 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 là, allez. Alors au début j'étais gentil et après j'étais méchant. Et vous allez voir que les dialogues sont assez savoureux. Si, justement. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous le faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Ça c'est pour mon éditeur. Moi je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un ? Votre famille ? Vos amis ? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas ? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle ? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi ? Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Vous n'avez pas le choix. L'enquête de la police prendra des semaines. Et pendant ce temps, votre propre vie est peut-être en danger. Comment ? Croyez-moi, ce tueur a déjà frappé et il frappera encore. Qui vous dit que vous n'êtes pas la prochaine sur la liste ? Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Dites-moi, vous avez un sens moral, n'est-ce pas ? Je fais confiance à si peu de gens et je partage votre mauvaise opinion de la police. Tenez, prenez ceci.
C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Ah ! Les dialogues sont parfaits. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et nous non plus, d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Donc, avant de revenir sur la table avec le magnifique... La magnifique pièce brodée. Une très jolie porte baroque. Elle aurait été parfaite dans mon appartement. Voyez, pour utiliser un objet de l'inventaire, dans l'environnement, cliquez sur l'objet et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Continuez d'appuyer sur le bouton de la souris, puis faites glisser l'objet sur un point d'intérêt. Relâchez le bouton lorsque l'objet est entouré d'une lisière dorée. C'était la clé du salon. Comme ceci. Enfin, j'avançais. Le canapé était une antiquité. Pendant un pénible instant, j'avais imaginé Carchon vautré tout nu là-dessus en train de se tortiller avec une jeune journaliste. Barre. Aïe, 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 aïe. Quelle tristesse. Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. J'avais adoré les répliques dans la toute première version du jeu. Mais là, l'idée que ce soit retravaillé... D'ailleurs, on l'a vu rapidement le générique, si vous avez le coup d'œil. Il y a quelqu'un qui a été embauché pour le scénario supplémentaire qui s'est greffé à l'œuvre originale. Donc, ça rebat les cartes, en fait. C'est ça qui est absolument génial. Bref, que du bonheur. Allez, on continue. La corbeille à courrier, comme tout le reste dans cette pièce, était de toute beauté. Je m'étais promis qu'un jour j'aurais une corbeille à courrier comme celle-ci. Même si j'avais dû vendre mon appartement pour me la payer. C'était une feuille de papier buvard dans un étui de cuir. Sa surface craquelée semblait ancienne. Elle me rappelait son propriétaire. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté. Mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. Et le génie du jeu, dans la narration, on voit qu'on touche au but quand la musique change. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. C'était le magnifique éléphant sculpté par mon père. Ah là 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 là. Elle était fermée, ce qui ne m'étonnait pas vraiment. Là, c'est vraiment les quartiers intimes derrière cette porte. Donc en fait, il n'y a pas besoin dans l'enquête. Il n'y a rien qui est programmé derrière la porte. Mais c'est pour le principe. Mince, j'ai dû redéclencher la même réplique, je crois. Je le crains. Le canapé était une antiquité. Pendant un pénible instant, j'avais imaginé Carchon vautré tout nu là-dessus en train de se tortiller avec une jeune journaliste. Bah... C'est peut-être la réplique la plus drôle, finalement, de cette première scène. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les Marie-Antoinette. Quoique je l'imitais très bien, j'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. Le tableau représentait les Carchons en couple, deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Ou est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope? Ah, ça parle mal. Les Carchons, noblesse oblige. Le tableau était solidement accroché au mur. Mais si on regarde bien le cadre du tableau... Ah, il y avait un petit bouton caché sur le côté du tableau. Un clic quasi inaudible avait retenti. Il y avait un coffre derrière le tableau. Le coffre avait l'air solide.
Le coffre était fermé, il me fallait la clé. Donc je vous laisse déjà deviner où peut être planquée la clé. Même l'interrupteur était impressionnant. Je n'avais pas besoin de lumière. Il faisait déjà assez clair. D'ailleurs, à vérifier, je peux peut-être déjà déclencher d'autres dialogues. À voir. Un splendide tissu de dentelle. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Et on va vite voir comment. Il y avait un petit trou sur le dessus de la table. Un morceau de la marqueterie avait été arraché. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Ah ah, Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Une clé avait été cachée dans le compartiment secret. Et elle n'avait rien d'ancien. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi ? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle le méritait bien. Ah ! J'aime bien comment qu'elle justifie ses propres actes. Une clé. Peut-être une clé de coffre. Qu'est-ce que je fais ? J'ai les échanges avec elle. Je vais essayer d'en avoir avec elle, on sait jamais. Peut-être des dialogues intermédiaires par rapport aux actions. Vérifions. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Ah, oui, je peux parler de l'éléphant. Cette statue, vous savez d'où elle vient ? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus ? Non, mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi ? Elle a été sculptée par mon père. Oh, je vois. Je l'ignorais. Juste une chose. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais votre mari vous a-t-il jamais parlé d'un pingouin ou d'un bonhomme de neige ? Comment ? Je ne comprends pas. Il n'a jamais parlé de gens déguisés en pingouins ? Nico, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Vous devriez filer avant l'arrivée de la police, ma chère. Ils vont poser beaucoup de questions gênantes. Je vous remercie d'être restée. Vous avez été si gentille. N'hésitez pas à m'appeler si je peux faire quelque chose. Je l'avais mal jugée. Elle avait toutes les raisons d'être aigrie après avoir vécu avec un homme comme Carchon. D'après ce que j'avais pu en juger, rien ni personne n'était en sécurité près de lui. J'aurais peut-être dû interroger le chat, après tout. Aïe, aïe, aïe. Faut que je fasse attention, là, j'ai un doute, j'ai peur d'avoir loupé un dialogue après quand elle l'a dit, j'aurais peut-être dû interroger le chat après tout. On a revu la forme en bande dessinée des deux portraits, des interlocuteurs, et c'est vrai que j'ai appuyé sur un clic souris, j'ai peut-être avorté un dialogue. Faut vraiment que je fasse attention. C'est un beau bijou, c'est délicat. Donc regardez, on va voir des interactions. Le buvard serait complètement trempé de peinture, mais c'était une bonne idée. C'était une des idées qui m'était venue en tête, l'idée de mettre la peinture sur le buvard vierge. Mais on va voir que c'est plus complexe, on va aller du côté du contenu du coffre-fort. Et c'est l'énigme clé de cette scène en fait. Et aussi le point de départ d'une aventure folle. Il y avait un étrange cylindre dans le coffre. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais aux Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre ? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer ? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet,
et Carchon ne s'en souciait plus. Aïe, 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 aïe. Allez, on va aller sur le pupitre de travail. Peut-on appeler ça un établi? Oui. Un peu d'art plastique ou d'art appliqué, si vous préférez. Allez. J'avais étalé de la peinture sur le tissu. Quitte à tout tâcher, autant y aller franchement. J'espérais que ça allait m'aider. On ne fait plus de dentelle de cette qualité de nos jours. Le tissu était couvert de peinture bleue. J'espérais ne pas l'avoir abîmé pour rien. La surface de l'ancien artefact était couverte de symboles étranges. Le tube avait été pressé pour en sortir la peinture. J'avais passé le tissu couvert de peinture sous la surface du cylindre de pierre. Ça m'avait rappelé mes cours d'art plastique à l'école. Et Maurice. Mon beau professeur. Quel dommage qu'ils aient dû le virer. Enfin, concentre-toi, Nico, concentre-toi. Eh oh, je voudrais pas faire mon vilain avec cette remarque, là. Il y a des coups de pinceau qui se... sont perdus ou quoi, là? On va revenir à mon fameux clip avec Olive qui tue, que j'embrasse d'ailleurs au passage. Et le coup de Picasso qui avait des projections, pas que de l'esprit, hein. Sur ses modèles. Allez, bref. Ah là là, allez, on continue. Génial, mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce que ça disait? Ah, c'est beau. Un message secret s'était imprimé sur le papier buvard. Le message codé devait être un indice. Le message disait « Subiudice ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la Cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, « subiudice » pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre. Et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Tant que c'est rien de scabreux, je lui souhaite... Aïe, 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 aïe. Je ne sais plus, je suis déjà en possession de cette nouvelle pièce? Oui, je crois. Oui, parfait. En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un... Il disait... Subiudice. Il y avait ensuite une série de lettres. SDSS, DSS. Alors, à ce moment d'enchaînement de l'épisode, l'indice de SDSS, DSS, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est sûrement, enfin, c'est mon interprétation, peut-être que je me plante, en lien, j'allais dire à une rose des vents avec les points cardinaux sud, mais D correspond à rien. En anglais, c'est même pas ouest ou est ou nord. Non, vous voyez, je sèche déjà. Ça, c'est une énigme auquel je vais faire face. Et je sais pas encore quoi faire. La corbeille à courrier, comme tout le reste dans cette pièce, était de toute beauté. C'est pour une future énigme. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. Bref, je peux repartir avec tout ça et littéralement, le premier acte, si on pense comme une pièce de théâtre, est déjà achevé. Je vais quitter la scène et on va se rendre ailleurs. Donc là où elle le dit, effectivement, par rapport à l'énigme qu'on vient de résoudre, on va se rendre sur l'île de la Cité à Paris et dans les sous-sols. On va quand même dire au revoir à la veuve. Qui peut-être finira par être joyeuse. Non, c'est pas vrai. Elle n'a pas voulu préméditer le crime. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci, ma chère. Et si la police vous demande? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais venue ici. La clé de tout, c'était Subiudice. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la Cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la conciergerie, elle se trouverait forcément là. Et vous allez voir une... Voilà, il doit citer une heure plus tard.
Carchon n'était pas le genre de type à traîner près d'un fleuve. Il cherchait quelque chose par ici. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. Vous allez voir que la première énigme, déjà, me donne bien du fil à retordre. La clôture était fixée de manière permanente. La clôture refusait de bouger. Ah, c'est du beau boulot. La clôture était fixée de manière permanente. Cette clôture refusait, elle aussi, de bouger. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Elle était brodée sur le tissu en dentelle que j'avais pris dans l'appartement des Carchons. Je savais que j'étais sur la bonne piste. Et la première énigme, enfin, de cette nouvelle scène est ici. J'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. Et là, des cadenas étranges maintenaient les portes fermées. Voilà, de chaque côté, il y a un cadenas, mais pas n'importe quel cadenas. Alors, celui de... Je vais essayer de, en direct, là, enfin, lors de l'enchaînement, de refaire celui de gauche qui ne m'avait pas résisté. Par contre, celui de droite, j'ai toujours pas réussi, au moment où je vous parle, à le solutionner. Donc, ils expliquent. Vous devez placer les blocs rectangulaires pour que le loquet puisse se déplacer jusqu'au bout afin d'ouvrir la porte. Les blocs se déplacent de toute leur longueur, que ce soit verticalement ou horizontalement. Pour déplacer un bloc, cliquez dessus et faites-le glisser horizontalement ou verticalement le long de l'axe approprié. Donc, moi j'avais souvenir que j'avais pas mal remué tout ce schmilblick, presque en mouvement d'horloge. C'était quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. Mais je sais déjà plus comment j'avais fait mon affaire. J'avais pas mal remué les objets. Je crois qu'il y avait de ça à faire pour que ça puisse joyeusement coulisser. Bon, là, je crois que je me suis tiré une balle dans le pied. C'est pas ça. Mince, mince, mince. On voit déjà le gros morceau de trois cases qu'il faut mettre tout en bas. Par rapport à la disposition de la serrure. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. J'y étais parvenu et vous allez voir que je vais plus réussir du tout à résoudre l'énigme. Je vais avoir l'air ridicule. Là, je suis en train de me couvrir de ridicule. De manière assez bête, j'étais parvenu par observation, une bonne partie de chance, je le confesse, à faire sauter le premier verrou sans trop de difficulté. Et ben, mon enregistrement, Bastazarm, je n'y parviens plus, bien fait pour ma tronche. Bref, je vais pas vous faire subir ça. Ça, c'est des puzzles que je vais résoudre hors enregistrement. Vous voyez l'autre, on peut regarder rapidement. Voilà, même logique, mais autre schéma de puzzle. Ce qu'on peut faire avant de mettre fin à l'enregistrement, et là j'y suis même pas allé lors de ma phase de test, c'est aller au-dessus. Je n'allais pas partir aussi vite. Je sentais que j'allais faire d'autres découvertes. Ah bah, elle m'interdit de me barrer. Donc ce sera la sortie de la scène quand j'aurai résolu l'énigme du dit portail, on va l'appeler ça comme ça. Donc ça se réinitialise, j'ai tout faux. Comment j'avais fait? Allez, on va peut-être s'accorder 5 petites minutes à ce que j'essaie de me casser la tête là-dessus, et puis j'arrêterai mon premier enregistrement ici. Aïe, comment pourrais-je faire? Là, je vais pas aller loin avec ça. Ah si, peut-être. Peut-être était-ce ainsi. Peut-être pas.
Je me demande si... ça me plaît bien ce que je suis en train de faire. Ça me plaît. Ou pas. Il y a peut-être un mouvement intermédiaire que j'ai zappé. Ah bah là j'ai l'air bien ego, je peux pas faire grand chose de plus. Ah, si seulement j'avais dégagé en dessous pour que ça... Et la logique voudrait que ce soit comme ça. J'aurais peut-être dû dégager sous le... sous la poignée, mais... Comment revenir en arrière? Je crois qu'il faut que je réinitialise le puzzle. Voilà, hop là. Il faudrait que je me dégage de l'espace par en dessous. Quelque chose comme ça. Mais, je perds en mobilité. Le pire, j'ai eu la chance du débutant. Dès le début. Ah, mazette. Comment avais-je fait? Si seulement je pouvais faire coulisser le... Attendez, comme ça, je reviens, parce que mon gain c'est d'avoir fait glisser celui-là en dessous, mais j'ai plus de place en bas là pour bouger. C'est pas malin mon truc. C'est pas malin. Non. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Ah, serait-ce l'inverse ? J'ai pas l'air idiot, je vais m'afficher tel un beau nigo, à être coincé sur l'énigme. Oui, non, là j'ai complètement condamné le verrou, là je peux plus... J'ai plus de liberté de mouvement. Je pense pas... Mais non. Il faut que je puisse libérer là pour le gros 3 à la verticale, je puisse le mettre en bas. C'est la clé même de l'énigme. Mais là, celui-là, comment je le bouge? Là, je me condamne à plus bouger là. Donc, c'est pas top. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Est-ce que je peux faire ça? Ouais, mais là, voilà, je me suis coincé. Je fasse ça, que je mette celui-là en dessous. Mais c'est pas dit que ce soit la chose à faire. Alors vous, devant vos écrans, vous avez peut-être déjà la solution, parce que le genre d'énigme qui vous est familière. Vous avez des capacités mentales que je n'ai point. Si ça devait être le cas, toutes mes félicitations. Sauf que, c'est moi qui joue, c'est moche. Mais sincèrement, moi je vous invite à... Si cette introduction vous plaît, que vous ne connaissez pas l'œuvre, les Chevaliers de Baphomet, Broken Sword, de son nom original, l'épée brisée, je vous invite vraiment à faire acquisition pour pas très cher de la saga complète. Il y a beaucoup d'humour en plus, il y a de l'intelligence dans les dialogues, il y a de la finesse. Et dans les dialogues et dans les graphismes, c'est absolument remarquable. Alors moi je me lance dans cette saga, parce que j'avais investi justement pour la faire, la proposer sur ma chaîne YouTube et découvrir de mon côté. C'est que derrière, moi j'aurais plaisir d'avoir une deuxième lecture que je vous ferai en épisode commenté chez mon copain FunFan. FunFan, ils veulent faire aussi. Je l'ai freiné, je lui dis, oh là, attends, j'ai acquis la saga de mon côté. J'aimerais d'abord la découvrir sur ma chaîne avant de te guider et de te faire des commentaires composés. À mon tour sur ton antenne. Je vous en reparlerai évidemment le cas échéant pour ceux qui me suivent. Vous pouvez surveiller également la chaîne de The Fun Fan 1992 pour voir ce qu'il en est, mais je vous donnerai l'info pour ceux qui me suivent en direct. N'hésitez pas à m'écrire aussi, je le dis jamais,
mais vous avez lesagedenancy@gmail.com pour me joindre. Vous pouvez laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube, vous manifester en direct quand je le suis sur Twitch, n'hésitez pas. Le sage de Nancy, vous avez le diminutif aussi qui fonctionne de mon pseudo, LSDN. C'est que du bonheur que j'ai à interagir avec vous, à échanger, dès que j'en ai le temps. Et je vous en remercie, le temps que vous consacrez à m'écrire, à me faire des remarques, à me partager parfois des ressources, que ce soit des jeux, des documents sur Internet pour solutionner ou agrémenter mon commentaire. Lorsque je vous commente un jeu. N'hésitez pas. Bon, allez, on va arrêter le massacre là. J'ai l'air bien ego de ne pas réussir à résoudre le premier verrou alors que j'y étais arrivé par un coup de chance et d'instinct la première fois dans ma phase de test. Tiens, je sais pas si on a le commentaire. C'était l'ancien abri à bateau de la conciergerie. Si j'avais raison au sujet de Subiudike, la réponse devait se trouver quelque part sur le quai. Oui, je crois que j'avais pas ce commentaire sur cette observation. Allez, je vais arrêter l'enregistrement là. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain où j'aurai normalement déverrouillé la grille et on pourra vivre la suite des aventures de notre journaliste dans cette étrange affaire de meurtre. Allez-y, je vais sauvegarder. Alors là, il ne faut pas que je fasse test. Je vais peut-être sauvegarder en bas pour dire LSDN. Allez, j'improvise en direct. Enregistrement, allez. Voilà. Ah bah tiens, je peux pas aller au bout de l'enregistrement. Ça fait moche. On va dire épisode. Zou. Allez, adieu, j'ai vendu. On va se quitter sur cette belle scène. C'est le cas de le dire. J'ai pas fait exprès. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.